Les faits sont sacrés, les commentaires sont libres pour les commentaires sur ce plateau de journalistes de Sud-Ouest que vous commencez à bien connaître maintenant. En tout cas, il y a intérêt pour vous, sinon ça va aller mal. Euh, Christophe Lucet, bonsoir. Bonsoir, Bastien. Et Jefferson Desports, bonsoir. Bonsoir, Bastien. Journaliste, éditorialiste euh, à Sud-Ouest. Et pour les faits, je vous propose que nous parlions cette semaine euh, de la retraite, de, du volet écologique d'Emmanuel de, euh, euh, de, Macron. Et pour commencer, cette séance, cette séquence assez étonnante de calinothérapie que Emmanuel Macron a, a donné au, au, aux députés de sa majorité, qu'est-ce qui se passe Alors, si vous voulez justement agacer les députés de la, de la majorité, il faut précisément employer le terme de calinothérapie qu'on a tous employé. Mais les députés vous l'expliquiez, avant que ça commence, ils ne voulaient pas de câlins, ils voulaient des explications, ils voulaient un, un échange direct avec le chef de l'État. Ils voulaient surtout le voir parce qu'en réalité, le contact était quand même euh, extrêmement rare avec lui, pour ne pas dire rompu. Donc là, il y avait besoin de ressouder les boulons, mais de manière assez forte parce que vous le savez, la polémique sur le congé de deuil parental a fait des dégâts lorsque. Qui les a appelés à faire preuve d'humanité. Vous voilà. le savez, si on refait l'histoire, ils ont refusé de prolonger, d'allonger ce, con, ce congé. C'était une proposition de l'UDI de faire passer le congé de deuil parental de 5 jours à 12 jours. Finalement, c'est un pataquès. La majorité présidentielle le refuse. Il, toute la polémique s'enchaîne. Le petit mot d'Emmanuel Macron. Et on arrive. Ça fait quand même plusieurs semaines qu'on a une, une, une sensation de flottement dans la majorité. En tout cas, que la rancœur contre le chef de l'État euh, se profile et se, se dit en coulisses. Et à la c'est-à-dire cette réunion à l'Élysée en format grand débat. Où là, le président de la République remet les pendules à l'heure, réexplique son cap et surtout renoue le contact avec sa majorité. C'était le plus important. C'est important, oui. Oui, ouais, on, a, on, a on a bien vu toutes ces dernières semaines à quel point le groupe majoritaire était sous tension euh, et euh, à la fois par, par, les, par les, je dirais, les, les, les nuances à l'intérieur de ce groupe qui, était, qui, qui, qui compte plus de 300 députés, donc des nuances politiques, euh, des nuances de caractère, de tempérament. Euh, donc il était très important, de, très important pour Emmanuel Macron de reprendre la température de ce groupe qui, qui, euh, qui ne le voit pas suffisamment. Tous les députés, enfin beaucoup de députés, s'en plaignent. Le, le Macron fonctionne plutôt en petit comité. Il a, il a, il a, et donc donc la séance de calinothérapie, je crois qu'il a raison. Jefferson a raison de dire que c'était pas du tout ce qu'attendaient les députés. Ils attendaient vraiment une rencontre, des explications, de la, de la proximité avec le chef de l'État. Je crois que la. la, la la, la, je dirais l'argument principal de emmanuel macron pour, pour garder ses troupes réunies c'est d'évoquer le quinquennat Hollande qui lui avait, qu fait, hein. qui avait, qui avait voilà qui, a, qui avait capoté sur, sur, sur une fronde des députés c'est à tout prix ce que emmanuel macron doit éviter et bon. c'est évidemment un moyen pour les députés de, 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 de dire au président écoutez euh, Soit, restons ensemble, mais en les moyens. On, on, on va revenir justement sur euh, les, les pensées profondes d'Emmanuel Macron envers hein, euh, François Hollande. Mais avant, euh, est-ce que euh, on peut dire j'ai fait et euh, que par rapport à ce qui est en, en train de se passer à l'Assemblée, les petits bleus apprennent la, la politique L'expérience, euh, l'expérience, c'est en marchant hein, de toute façon. Donc la plupart de ces députés sont des nouveaux députés, des nouveaux élus pour beaucoup d'entre eux, même si certains avaient quelques mandats de conseiller, quelques expériences de Conseillers municipaux, mais pas à ce niveau-là, donc là évidemment, il y a quand même de l'expérience qui, qui a été acquise. Maintenant, ce qui était important, c'est que et Christophe a raison c'est que euh, Emmanuel Macron les a mis en garde contre le poison de la division. Il est bien placé pour lui pour savoir tout ce tous le, les ravages que peut faire la division. Il a été ministre de François Hollande, il a vu cette majorité, il a vu ce quinquennat miné de l'intérieur. Et là, il voit bien qu'il y a les, les premiers, les, les premiers signes d'un effritement de sa majorité. Et s'il la ressoude pas, là, il peut avoir un problème pour plus tard. Peut-être pas tout de suite, tout de suite, mais il ne faut pas que cette majorité se délite, parce qu'ils euh, le disent tous, ces députés, ils viennent d'horizons extrêmement divers, même si pour la majorité d'entre eux, ils viennent du centre-gauche, ils appliquent quand même une politique plutôt de centre-droit. Donc là, il y a quand même un hiatus entre eux, entre la politique du gouvernement et leurs origines. Maintenant, euh, Emmanuel Macron l'a dit, il les a appelés à l'unité, mais pas à l'uniformité. Alors ça, c'est un petit tour de passe-passe, ça mange pas de pain, mais en gros, ça veut quand même dire attention à ce que vous faites. Je crois que c'est d'autant plus important de réaffirmer cette unité de la majorité que les élections municipales qui se profilent montrent, euh, même s'il ne s'agit pas de, du même échelon, si vous voulez, il s'agit de l'échelon municipal, mais on voit quand même dans beaucoup de municipalités, dans beaucoup de grandes villes, les marcheurs se diviser. Euh, montant, donc certains, certains, certains soutiennent des listes LREM, d'autres soutiennent des majorités sortantes, euh, qui sont parfois extrêmement variables. Euh, il peut y avoir des concurrences entre marcheurs au sein d'une même ville. Bordeaux va, va en être un, un exemple. Euh, donc si vous voulez, la, 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 la cohérence du groupe des marcheurs, euh, elle, elle, est, elle est dans le projet, mais 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 au, au jour le jour, c'est compliqué. dossier par dossier, ville par ville, lieu par lieu, euh, cette unité, elle est toujours, en, elle est toujours en question. C'est toute la difficulté du macronisme, peut-être aussi tout son honneur de, de tenter d'avoir de, de, le, le, de nouvelles. Limites en même temps, voilà, c'est des limites de Voilà, on progresse avec des, des, des personnes qui viennent d'horizons différents. C'est bien, donc c'est bien pour le pays, c'est bien pour faire monter des projets plus collectifs, mais c'est aussi très compliqué. Il y a eu ces, ces, ces petits mots concernant justement euh, François. Hollande hein, et ce côté, bah, écoutez, si on, veut, on peut vous traiter de l'amateur, mais soyez fiers d'être amateur, grosso modo, parce que c'est vrai que c'est aussi un procès qu'on fait beaucoup au gouvernement général et, et aussi euh, aux, aux députés de la majorité, c'est ce qu'on appelle leur amateurisme. Et là, Emmanuel Macron a mis tout le monde d'accord en disant Attendez, vu ce qui s'est passé euh, lors du quinquennat précédent, bon. Hein. Oui, bah, c'est-à-dire qu'on a vu des, des députés, on pourrait dire chevronnés ou professionnels, miner de l'intérieur, une aventure politique, c'était le retour de la gauche au pouvoir après l'exercice de la droite, après. Chirac et Sarkozy. Donc voilà, vous aviez François Hollande. Bon, maintenant, euh, les amateurs, ils se tirent aussi une balle dans le pied tout seuls. Je veux dire, cette loi, quand vous discutez avec les députés de la majorité, certains ont voté euh, contre ce, ce texte. Donc euh, certains euh, l'assument, d'autres disent, bon, attendez, on ne peut pas le voter en, en, en l'état, il faut lire les textes. Certains se sont convenus qu'il fallait quand même qu'ils lisent ce qu'on leur propose. Donc il y a un moment où on est à mi-mandat. Maintenant, effectivement, il faut que les députés de la majorité fassent aussi leur autocritique. Mais sans être pour autant des bénis, oui, oui, ce texte a montré qu'ils devaient tous quand même prendre conscience de ce qu'ils votent parce que là, ce vote en refusant d'allonger ce congé de deuil parental, on partait de 5 pour 12 jours à l'arrivée, on va arriver à 3 semaines pour tous les actifs. Voilà, tout a été repris, repris en main et en tout cas, l'exercice et l'expérience prouvent que cette expérience là elle mérite encore d'être approfondie. Je crois qu'il faut pas être trop sévère quand même, c'est à dire que c'est à dire qu'au sein de l'assemblée il y a des commissions. Qui. qui des, ces, ces commissions. Le groupe est énorme, hein, le groupe est énorme, et chaque député ne peut évidemment pas s'emparer se, se, de tous les sujets. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'il y a des commissions. Je crois qu'il qu s'agit plutôt d'une question d'organisation du groupe. là Il faudrait peut-être peut plutôt se retourner vers, je ne sais pas, vers Gilles Legendre par exemple, le non, chef des députés marcheurs, pour, pour savoir non, comment est organisé le travail. Il y a un problème de gouvernance, en tout cas, de, 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 oui, de gouvernance dans ce groupe-là, parce qu'il est extrêmement hétérogène. Mais maintenant, il faut le souder. On est à mi-mandat, c'est maintenant où tout va se jouer. On on prépare, euh, ça y est, ils sont tous focalisés sur 2022. Il y a les municipales, on en dira peut-être un mot. On sait que ça s'annonce très mal pour euh, Emmanuel Macron, donc ils vont avoir la tentation d'enjamber tout ça. Il va y avoir un remaniement derrière. Donc là, les, les prochains mois seront extrêmement importants. Alors justement, à votre avis, Jefferson et Christophe, est-ce que c'est pour cela, alors que l'on parle beaucoup lors de ces municipales, la transition écologique, que Emmanuel Macron est monté au créneau là justement aujourd'hui en disant 2020, ce sera l'année de l'écologie, il faut prendre des mesures, etc. Non, c'est euh, tout d'un coup Emmanuel Macron écolo, c'est un ah, hasard. Tout d'un coup, on peut pas dire tout d'un coup. Mais ça, ça fait déjà un petit moment qu'on lui qu'on lui prête l'idée de verdir son son, son quinquennat. Non, le, le, le fait de monter au créneau, vous avez raison, il monte très haut. Il, il, il monter… Non, non, pas ouais. à 4809 mètres, mais, mais, mais je crois à 1913 mètres au niveau du, du au mont vert pour un, pour un dîner avec des, avec des, des spécialistes et des experts du, du changement climatique et de la glaciologie. Euh, voilà, bon, évidemment, y a les, on imagine bien que faire, faire les, des, des images devant la mer de glace au sommet du Mont Blanc dans ce lieu emblématique de, de, la, de, 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 la, de ah, la nature française. À moins d'être bon, bah, bien sûr, il bah, ne faut, faut ouais. pas être naïf. En même temps, il ne faut pas non plus en faire une affaire. Euh, tout président en aurait fait autant. Et ma foi, euh, l'important, c'est que le chat attrape des est-ce que le chat attrape des souris Est-ce que donc il y a eu un conseil, un conseil écologique euh, le matin même Quelles ont été les décisions Elles sont, il euh, y a des décisions qui sont prises On regarde au niveau des, des euh, par exemple des, des, des parcs naturels, des, du forfait mobilité pour les fonctionnaires pour, pour, pour les faire rouler à vélo. Euh, certains parlons de gadgets. Euh, ou également l'idée qu'il qu va falloir trans, de... transférer des, des logements, reculer des logements du trait de côte qui est en train d'être dévoré par l'océan. Voilà. Bon, euh, évidemment, tout, 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 beaucoup diront qu'on ne va pas vite, que, est que, que tout ça... Qu tout... voilà, c'est un mes... procès éternel. Toutes toute mesures écologiques, euh, les, les écolos vous diront, mais c'est pas assez, c'est pas assez vite, c'est pas assez fort, etc. Néanmoins, cette, euh, évidemment, il y a la proximité des, des élections municipales, c'est indéniable. C'est de bonne guerre, à la limite, c'est de bonne guerre. Les, Euro... les, les Verts ont fait un très bon score aux européennes, ils pourraient le confirmer aux municipales, ce qui affaiblira d'autant euh, la Macronie. Tout ça est de bonne guerre. Maintenant, est-ce que ça dessine un vrai virage idéologique d'Emmanuel Macron sur l'écologie Il faut juste Rappeler que sa doctrine sur, les, enfin en tout cas son, son sentiment sur l'écologie, c'est de la faire dans de l'économie de marché. Il n'est pas pour la décroissance. Donc de toute façon, il le dit très bien. Sa formule, c'est ni catastrophisme ni mobilisme. Donc on va, c'est un chemin de crête étroit pour concilier le développement économique avec des impératifs écologiques. Donc ça peut, est-ce que c'est l'équation impossible À voir. En tout cas, là, le gouvernement lui dit lui-même, c'est une politique des petits pas qu'il revendique. Il veut s'écarter des grands plans nationaux. Donc cette politique des petits pas, bien entendu, elle va s'appréhender sur la durée. C'est pas la grande mesure. On va, on, de toute façon, on va, il ne va pas arrêter euh, le trafic euh, des voitures euh, du jour au lendemain. On ne va pas décréter que l'industrie ah, automobile va fermer, qu'on va passer au tout électrique demain. C'est pas comme ça que ça marche. Il avait, il avait, il avait notamment, dans, notamment à Chamonix où, où passent des, des milliers de camions tous les jours. Il a été apostrophé sur la qualité de l'air dans la vallée de Chamonix, qui est notoirement très mauvaise au pied du Mont Blanc. Mais euh, que leur a-t-il répondu Que qu'il qu était prêt, évidemment, à, de, à demander à, à, à tous les camions, à tous les camions euh, de, de Rhône-Alpes de rouler, de rouler de rouler aux énergies vertes, mais que euh, il fallait que ça se fasse à l'échelle européenne. Sans ça, c'était sans ça, il allait couler la, la, la filière française. Mais euh, donc la, la, la complexité des problèmes, elle est là. Je pense que c'est très intéressant d'avoir ces élections municipales qui approchent parce que euh, ça c'est un thermomètre magnifique euh, à l'échelle locale, des, des, à l'échelle des grandes métropoles, mais aussi à l'échelle des, des villes moyennes, des petites villes, de savoir quel est quel est le, comment les Français finalement à, ou qui auront le choix. Alors pour le coup, et où les listes écologistes seront partout. Euh, quel sera leur niveau euh, quel sera leur niveau On peut s'attendre à ce que ce niveau soit assez élevé, euh, même si évidemment, gagner, se, même si évidemment autant, toutes les toutes les équipes, toutes les, toutes les listes ayant, ayant les mis du vert sur leur, du sur leurs affiches, on peut on peut craindre une certaine dilution. Ou mais néanmoins, c'est hein, ouais, néanmoins, néanmoins ouais. quand même les écologistes, on, si, si on, on préfère toujours l'original à la copie. Donc on verra. Alors certains écologistes justement disent dit d'un côté il y a la réforme des retraites qu'on essaie de mettre en place de faire passer au, au pas de charge et puis euh, et l'écologie pour laquelle effectivement il n'y a pas véritablement de, 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 de volonté politique de faire, de faire vite. Effectivement, c'est plutôt la politique des petits pas, ce que reprochent certains écologistes, d'où la question sur les retraites, messieurs. C'est toujours pas fini cette histoire. Alors qu'est-ce que euh, c'est pas fini C'est pas prêt d'être fini. En <laughs> ouais, tout cas, il y a une autre partie de bravoure qui va arriver. Ça va être à l'Assemblée à partir du 17 février, le texte va arriver. Et là, le débat promet d'être extrêmement musclé, sinon violent. Ça va être extrêmement dur. La commission spéciale sur la réforme des retraites n'a pas pu aller à son terme. Elle a été noyée sous les amendements. Il y a 22 000 amendements qui ont été déposés. C'est impossible. La France Insoumise a décidé de faire de l'obstruction, d'utiliser tous les artifices pour bloquer le processus, pour pousser. Le gouvernement soit dégainer le 49-3, soit, oui, ça, dit, soit 49 -3, étendre euh, la période de débat, sachant qu'il y a les vacances parlementaires qui arrivent. Là, on se retrouve dans un entonnoir. La volonté du gouvernement, c'était de voter la réforme des retraites avant les municipales. L'objectif de l'opposition, c'est de faire traîner, en tout cas de bloquer. Là, on se dirige vers une bataille qui promet d'être acharnée. Oui, de ce point de vue, la, 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 la France insoumise vraiment a une grosse responsabilité dans le ralentissement des le ralentissement des débats. 19 000 amendements à eux seuls sur 22 000, bon, c'est totalement déraisonnable. Ça, ça permet de euh, mettre quand même quelques, voilà. de lever quelques lièvres, notamment voilà. alors, par rapport au fameux. Alors, point oui, hein. on Enfin bon, disons que c'est totalement déraisonnable puisque tout le monde sait très bien que, que l'Assemblée mmh. ne peut pas examiner autant d'amendements mmh. dans le temps imparti. Mmh. Donc il s'agit bien d'une volonté d'obstruction. Euh, et là, et le, et le, et comme le dit Jefferson, l'objectif évident est de est d'obliger le gouvernement à dégainer ce fameux ce fameux vote bloqué non, euh, qui, qui lui serait Thank okay. you. pense l'opposition reprochée par les Français sur une réforme aussi importante passer en force etc, etc. On on plier, voit très on bien on voit très point bien le discours symbole, on voit très on bien le discours. Une... Donc, ce qu'il faut ce qu'il faut pour le pays c'est ni l'un ni l'autre si vous voulez c'est ni, ni 49-3 ni cette vague ridicule d'amendements, c'est une c'est une discussion sur sur quelques points clés une, une discussion sérieuse alors est-ce qu'on qu peut espérer cela dans le climat dans le climat actuel malheureusement c'est pas dit par rapport à la à la thérapie avec laquelle on a commencé et faire mettre en face le que certains reprochent au gouvernement gouvernement quand même le fait de se rendre compte que on allait calculer le point d'indice à partir d'un élément de l'indice qui n'existe pas encore. Euh, c'est mais ça, ça, prouve que là ça prouve là encore que le texte n'a pas forcément été si bien travaillé que ça voilà le gouvernement a voulu la aller la l'amateurisme on, ouais. on y revient mais il y a surtout aussi une volonté de, de, de fonctionner par symbole ouais. le, le chef de l'état veut absolument cette réforme des retraites dans son bilan la réforme des retraites c'est la mère des réformes il le dit lui-même, tous les gouvernements précédents ont, soit s'y sont cassés les dents soit en revue à minima euh, ce, cette réforme là c'est la plus dure à faire passer et d'un point de du, du symbole, ils veulent l'avoir voté, l'avoir fait tel qu'ils l'ont voulu. Donc, euh, et pour ça, ils sont allés vite. Et effectivement, il y a des lièvres qui ont été levés et le débat des parlementaires devrait permettre d'éclairer ces points-là et d'avancer. Mais on est parti sur des telles bases d'obstruction que ça va être très compliqué. En tout cas, le, la rue a perdu Je pense que. La mobilisation là est en train quand même de s'étioler. Euh, ça prouve quoi Ça prouve que, en tout cas, on n'a pas retrouvé un climat de sérénité et que euh, ce gouvernement, enfin cette aventure du macronisme qui est nouvelle de, de, depuis 2017, c'est quelque chose d'inédit. Euh, ce président euh, est arrivé comme ça et il, il affronte une situation sociale extrêmement difficile. Et tout le défi pour lui, dans la perspective de 2022, ça va quand même être de, de reconnecter tout ça, d'essayer de la situation. Et là, euh, sa communication euh, n'aide pas vraiment sur le sujet il y a du boulot comme dirait l'autre pas de, pas de livre euh, euh, véritablement mais juste un petit conseil peut-être on vous laisse faire le euh, clin d'oeil euh, oh, ouais, ruez-vous bah. sur les albums de Claire Bretéché. Si on est au nord, Bretécher, si on est au sud. Euh, voilà, dessinatrice extraordinaire qui. C'est bah, qui voilà, une, une, une très bonne idée de Bastien de, de, que de mettre en valeur les albums ouais. de Claire Bretécher qui, ont, qui nous ont toujours enchantés. Agrippine, euh, Les Frustrés les dans frustrés. le Nouvel Observateur, la, voilà, Le Docteur Ventouse. Donc, toute, donc une, série de, une série de croquis remarquables sur le, plan, sur le plan de la sociologie de la gauche, Caviar, qu elle, qu elle est, dont elle faisait partie et dont elle te moquait beaucoup. Euh, et puis, d'une façon générale, des, des frustrations de la société française. De, 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 ses, de ses déprimes. Voilà, c'est extrêmement drôle et, et sur le plan sociologique assez fort. J de, Claire Bretéchère, c'est vraiment la, la, le meilleur moyen d'apprécier la bande dessinée quand on préfère les livres et quand on considère en permanence que la, la bande dessinée, bah, finalement, c'est pas très sérieux. Regardez, lisez, appréciez. Et on peut espérer d'ailleurs qu que ces albums seront largement réédités. J'espère, j'espère, parce que Claire Bretéchère, c'est quand même quelque chose. Merci, messieurs. Parfait, merci, à Bastien, la semaine prochaine. Bastien. thank mm -hmm. you